Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Marciacoso. Dans cette vidéo, nous allons voir un enchaînement au jour. Alors je m'excuse d'avance, mon micro a décidé de ne plus avoir de batterie quand je filme cette vidéo. Donc voilà, le son va pas être aussi beau et parfait que mes autres vidéos, mais bon, c'est plus une vidéo technique que vraiment parlotte. Donc ça ne va pas vous empêcher de comprendre et de bien apprécier cette vidéo. Donc nous allons voir un enchaînement Ojo, et pour cette première vidéo d'enchaînement Ojo, j'ai pas envie de vous présenter un enchaînement trop technique. C'est vraiment un enchaînement assez simple à effectuer pour ceux qui ont envie de découvrir le Ojo, apprécier cette arme qui est vraiment une arme hyper intéressante. Et pour ceux qui le pratiquent déjà, travailler leur base. Ok, donc je me mets légèrement de profil pour bien que vous voyez la technique. Donc on part de Gedan Ira no Kamae. Donc Gedan Ira no Kamae, Gedan parce qu'elle est basse, Kamae garde, et Ira par rapport à la posture du poing. Ira, comme Iratsuki, d'accord? Donc Ira no Kamae. Ok? On recule la jambe gauche pour venir bloquer en Jodan Uke. D'accord? Donc comme le Jodan Age Uke, le bras pas bien droit, assez haut et légèrement en descendant. Donc pareil ici, ok? Que ce soit avec cette main ou la main légèrement là, d'accord? Mais il faut qu'il y ait cette inclinaison. Ok, donc on recule et on vient bloquer ici en Jodan Uke. On avance, frappe. Tout de suite, on vient Kake Uke en Eko Ashidashi. On avance, frappe, frappe, frappe. On recule et on frappe. On recule et on revient en garde en changement de main. Donc, je le montre de face. Ok. Donc, on recule la jambe gauche. Jodan Uke. On avance. Otushi. Uchi. Tout de suite, on vient dans le mouvement. D'accord. Dans le mouvement, venir Kake Uke en Eko Ashidashi. On avance. Age Uchi. Otoshi Uchi. Mawashi Uchi. On recule la jambe droite. Otoshi Naname Uchi. Et on recule avec un mouvement de Furi Uchi pour venir en garde. Ok, donc comme je vous ai dit, c'est un enchaînement pas très compliqué. Après, vous l'agrémentez, vous le nourrissez de vos principes personnels, de votre école. Avec, voilà, si vous êtes plus saisi ici, etc. Voilà, je vous donne les grandes lignes et c'est à vous de le nourrir avec votre école et votre enseignement. Donc je recommence de l'autre côté. Quand on part de Shizentai, je recule jambe droite. Jodan, ok. J'avance. Frappe tout de suite, je bloque, j'avance, je frappe, je frappe, je frappe, je recule, je frappe et je recule. Par exemple, après vous pouvez très bien changer d'axe ici et faire de l'autre côté. Ni san chi go. Je recule,
Bon, échange de côté, je recommence. Et ça vous permet de faire un carré et de travailler dans toutes les directions. Donc voilà pour ce petit enchaînement au Joe. Comme je vous ai dit, assez facile à appliquer, assez rapide à pratiquer. Donc voilà, j'espère que ce petit enchaînement vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres, avec d'autres armes. Voilà. N'hésite pas à me mettre un commentaire, c'est toujours un plaisir de te répondre. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et n'oublie pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao !